Chef? Quelque chose? J'arrive, tout, tout ici, tout à gauche, Ok. rien. C'était quoi la dernière? C'était quoi la dernière? Après, en vent, horloge et machin? Ouais. Ça, je sais pas, c'est pas vent. Vous Bah avez ouais, trouvé, vous? j'ai fait vent. Mais non, je vous ai dit que c'était pas vent. Bah oui, mais... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça. On est les plus forts. Rien, 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 on va y arriver. Ça, c'est difficile, hein. Rien. Est-ce que vous pouvez me suivre? Vous pouvez faire ça ou pas? Oui, je vous dis, je vous dis. Il t'a dit pas le Vous voulez vent. jouer à l'instinct? Ok. Ça me va. Ouais, il m'a jamais trompé. Il m'a jamais Ok, je vous suis, trompé. je vous suis, je vous suis, vous êtes le meilleur. Je crois que là, il faut le tenter maintenant. Ok, je vous suis, je Parce vous que suis. là, on peut plus jouer les mathématiques. Je vois. Bon, retenez cet abri parce que sinon on est mort. Oui, je vais essayer de redire cet abri, moi, d'accord? Ok. Donc là, on va faire une espèce de tout droit foireux. Très bien. Et garder le détecteur. Et dès que vous voyez du vert, on y va. Oui, c'est que la nuit. Cul-de-sac. Vous voulez rester ici? Non, non, on peut continuer à avancer, hein. Je me suis, hein. Attendez, la nuit elle tombe vite là. On n'est pas loin, là. Nous sommes pas en danger, je pense. Non, moi je pense là il faudrait peut-être aller à l'abri. Y a rien, y a rien, y a rien, y a rien, c'est fermé, abri. Bien. On devrait recheck où il est là. On n'est pas loin, mais. Alors, il y a des abris ici. C'est celui-là, non? Ou c'est un autre? Crois que c'est un autre. Non, On n'a non, pas été attends, sûr. on devient fou là. Oui, j'avoue. Je crois que c'était celui-là. Mais attends, là on a trouvé beaucoup d'abris là. On a trouvé beaucoup trop d'abris là, mon goût là. Ici il y a Ok. Elvis, Elvis. Donc en fait, là on peut retourner. Ouais, ok. Donc là en gros, quand on voit Elvis, on peut aller directement tout droit derrière Elvis. Là, ici. Oui, je vois, je vois. Mais du coup, est-ce qu'on n'irait pas à l'abri là? On n'avait pas fouillé déjà ici? Non. D'accord. Juste, si jamais je fais l'usage de la machette, partez en courant de l'autre côté parce que... Non, vous inquiétez pas. Ne pensez pas à moi. Pensez à vous. Ok, venez, venez. Bonne chance à tous, que le sort vous soit favorable. Chef. Ouais, ici, à gauche après. Je crois que c'est pas par là-bas. C'est derrière. On est vraiment dans la merde là. C'est à droite, à gauche. Surprise! Courez! Je me suis trompé. Il est complètement nul. Surprise! Mais vous faites de la boxe anglaise! Monstre démogorgon! Ya! Surprise! J'ai fait ça en pension! Eh! Laissez-moi rentrer dans l'abri, fils de pute! Il veut vraiment me couper. Hey, mais c'est pas sympa!
non, je pense qu'il y a un message là-dedans, les gars. Le message, à mon avis, c'est utilise le putain de bouton. Ferme sa gueule, hein. Non, si je réponds, je suis mort. C'est à lui d'être intelligent et de se dire vas-y, c'est bon. Il va pas revenir. Il va vraiment revenir là? C'est qu'il a le SP, vas-y, c'est bon. Vas-y, mec, ça rend fou. Putain, il rend fou ce labyrinthe. Je pense qu'il y a le tracker, faut l'utiliser. D'ailleurs, j'en profite, si vous souhaitez éliminer, les fusées se voient beaucoup mieux la nuit. Pensez-y. Hein ? Imaginez les gars, il n'y a pas de sortie. Imaginez les gars. Pourquoi il force ? Chef ! Chef ! Chef ! Chef ! Elvis, Elvis ! Je suis là. Vous trouvez pas que c'est bizarre qu'il insiste sur le fait d'abandonner, etc. Très très bizarre, très très bizarre, très très bizarre. Est-ce que ce serait pas le fait d'abandonner au spawn, le fait d'abandonner sur la position du radar qui qualifierait? Vous avez regardé le radar ou pas? Non, il indique le spawn, il indiquait le spawn encore. Vous êtes sûr que c'est le spawn? C'est la direction du spawn en tout cas, je crois, oui. Ok, ok. Chef, chef. Rien. Hein? Chef? Attends. Et Gandalf a beaucoup appuyé sur le mental. Le mental, c'est quoi le mental? C'est dans cette direction. Ça marche là? Oui. Il marche votre objet là? Oui, il marche. Bah allez-y, allez-y, utilisez-le. C'est où? Dans cette direction, Narine. Par là-bas. Mais il ment. Dans cette direction. Il y a un gars qu'on connaît pas. Oh, bonjour. Encore des aventuriers, décidément. Oh oui, vous n'êtes pas les premiers. Retenez les dialogues, retenez les dialogues. Oh oui, vous n'êtes pas les premiers. Il va falloir faire preuve d'un peu plus de jugeote si vous voulez sortir d'ici. À cette allure, vous risquez d'être piégé ici encore un paquet de temps. Cela dit, pour ce qui est du labyrinthe, la sortie est plutôt proche. Bref, la sortie est quelque part sur ma gauche, mais le bon chemin, c'est droit devant moi. Et justement, c'est parce que je connais l'issue que je ne sors pas. Bon, j'en ai dit plus que je ne devrais. Après, bon, c'est tellement altéré cette fois qu'on n'est pas à une question près. Je vous en accorde une dernière. Oh, tout le monde va s'en sortir, mais personne va s'en sortir. Allez, oust,
Je vais avoir des problèmes avec mon alter. Oh, mince. On est à la croisée. Excusez-moi. Là où les vaches sont les plus rapprochées. Désolé, j'ai eu un problème. Ok. Vous avez eu un mal de tête? Oui, j'ai eu un évanouissement. Ok, bon. Il a dit... Attends. Il a dit... La sortie est sur ma gauche. Ah oui? Ou devant moi. Oh. Donc sa gauche, c'est là. Il va falloir faire preuve d'un peu plus de... sortir d'ici. À cette allure... Je vais derrière vous, ok? Je vais tout droit derrière vous. Oh, ça dépend. J'en ai dit, c'est good, t'étais prêt? Ouais, je suis derrière vous. Ok, alors en gros, la direction, la sortie, elle est dans la... Je vous en accorde une dernière. Ok, la sortie... Ah, il y avait encore une question supplémentaire. Non mais c'est rien la dernière, on s'en fout. Ok, alors tout droit bro, tout droit et après c'est dans la direction là-bas. Vous êtes sûr hein, parce que... Il a dit un truc, la sortie elle est tout droit mais sur ma gauche, en face de moi mais sur ma gauche. Il a dit la direction est sur la gauche, mais la sortie est sur la gauche, mais le bon chemin est celui-là. Donc là, on sait que c'est le bon chemin. Ok. Bah c'est très bien. Mais la gauche. Donc il faut qu'on se dirige plus sur la gauche. Ok. On n'a jamais été aussi proche. Oui, clairement. Good, pas good. Good ou pas? Bon les gars, je vais rester à l'abri hein. Parce que là les gars, le focus il est réel. Je vous dis, le focus il est réel. On va rester à l'abri les gars. Chef. Chef, rien sur vous? Non, rien sur moi. J'ai un abri ici, ok? Mémorisez-le. Ouais. Ici, première gauche. La direction dans laquelle on se déplace, c'est la bonne direction. Ok. Je vais à droite là. Oh, y'a quelqu'un. Lorsqu'un aventurier perdu dans la contrée ne trouve pas son chemin dans ce labyrinthe. Putain. Peut-être écouter la chanson, peut-être qu'il y a un indice. Terrorise même ses pères. Je continue, je reviens. Il s'en prit à eux. C'est chasqué de Witcher. Chef. C'est la sortie, chef. Chef, on a réussi, chef. On est pas les premiers. Félicitations. Mais si, on est les premiers. On est les premiers. Attendez, le chef est concentré. On a réussi, chef. Vous êtes heureux, chef. On a réussi, sale geek. Les geeks gagnent encore. C'est pour Jack. Alors pas Jack hein, c'est le vrai Jack. Jack Sparrow. Venez, on fera une photo après. Vous pourrez monter. Merci. Monsieur Nucus, oui pardon. Vous êtes le premier, voilà, numéro 1, numéro 2. Incroyable, je peux partir pisser du coup? Ah bah monsieur Lewis.
Oui, je parle dans le vent depuis tout à l'heure, j'imagine. Oui, bonjour, monsieur Lewis. On attend les ordres, chef. Bonjour, monsieur Lewis. Bien, je suis très heureux. Et j'ai le temps d'aller au petit coin, chef. Pour Jacques. Pour Richard. Jacques, pardon, je m'en bats les couilles. Monsieur le chauve, je peux aller au petit coin? Oui, oui, vous pouvez. Bien sûr, vous pouvez y aller. Ok, merci. À tout de suite. Quelle aventure, quelle aventure. Le mental était compliqué. Dur. Oui, c'était très très dur. C'est très grand. Pas aussi dur qu'avec ma chérie, mais pas loin. Je vous montre comment c'était grand. Oui, je vais bien. Peut-être pas arriver, parce que... Ah non, mais ça va peut-être être gris. Non, c'est peut-être dangereux, non? Ça va pas donner des infos? Ok. Wouah! Ah oui, je vois là. Wow, vous êtes des malades! Attends, mais on est sorti de ça? Oh, c'est dingue! Ouais, on est sorti de ça, oh la dinguerie, sa mère! Vive les geeks! Je vous laisse ici. Alors, malheureusement, par contre, on n'a pas prévu que. Bah, on pensait pas qu'il y aurait des participants aussi talentueux, pour être honnête. Ah oui? Ah oui. Ah bah, écoutez, c'est parce que. On a joué à World of Warcraft! Ah, pas monsieur Lewis. Oui. Vous pouvez annoncer que. Du coup, il ne reste plus qu'une place. Hein. Oh oui, je peux le faire. Eh, vous pouvez aussi dire que le focus, il était quand même un peu réel là aussi. Ah, mais. Vous montrez de quoi vous êtes sorti. Allez-y. Incroyable, monsieur. Allez-y. Les deux premiers survivants à sortir du labyrinthe, actuellement, il ne reste plus qu'une place. Oh, chalala, mon ego. Force aux autres. Comment je suis... Mon ego est surdimensionné, merci. Ouais, les gars, je vous dis, vous voulez... Quand vous perdez votre chemin, les gars, vous voulez être avec moi, les gars. Incroyable. Non, mais attendez, non. Félicitations à vous pour ce magnifique labyrinthe. Par contre, les démons qui sortent des enfers, ça c'est illégal. Alors ça, on en parlera après, mais ça c'est illégal. Oui, enfin, tout ce qui est légalité, illégalité, vous avez bien compris qu'on en avait rien à carrer. Oui, mais pas moi. Voilà. Profitez de votre podium, je vais faire mes annonces, moi. Monsieur le geek, je suis fier de nous. Je suis trop fier de vous, monsieur. Merci de m'avoir choisi. Je vais vous ramener un petit échiquier, comme ça vous pouvez vous faire des parties d'échecs en attendant, ça vous dit? Oh oui, carrément. Merci, super. Merci, superbe. Eh, chat, quand même. Je vous le dis, les gars, à l'instinct, les gars. J'ai vraiment un instinct, je sais pas, bon après c'est la chatte, hein, les gars. Mais j'ai eu vraiment un instinct de zinzin. Et par contre, un peu déçu de la perte. Et je peux, on peut se parler franchement? Oui, vous pouvez maintenant. Quand sous situation stressante, j'étais un peu déçu de votre prestation, voilà. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est vrai, j'ai peut-être... Oulala. Mais attendez, pourquoi les démons sont là? Ah, c'est pas la sortie, c'est la mort? Non, mais si je suis là, moi, ils t'attaquent pas, vous en faites pas. Vous êtes sûr? One Punch Man. Parce que là, j'ai très peur, ce sont des démons de type Taurus. En dehors du labyrinthe, il ne vous voit pas. D'accord, mais ce sont des chèvres cryptologiques. Alors attention, des chèvres des enfers. Des créatures fictives qui incarnent l'étrangeté et l'obscurité. Vous le saviez ça? J'ai une question, je suis bloqué, j'ai un coccyx mal placé, mais j'arrive pas à me relever, je suis accroupi tout le temps. Attendez, je m'occupe de vous. Attendez, là y a un... Vous allez bien? Lâcher, monsieur Nari? J'aimerais bien. J'aimerais effectivement bien vous lâcher, j'aime mais... J'aime bien faire carry, en vrai, c'est pas si mal. Non, mais là, j'aimerais bien vous lâcher, mais là, c'est difficile. Ok. Attendez, mais... Ah, voilà, merci. Oh, j'espère que vous avez la semaine devant vous, parce que... Ah bah écoutez, je suis content d'être ici à côté de chèvres démoniaques, voilà. Hein, ça vous dérange pas que je mémorise ce moment? C'est très... Évitez de trop vous approcher quand même, parce que je peux pas garantir à 100% votre survie. D'accord, mais vous garantissez votre survie parce que vous êtes à côté de ces chefs qui m'ont lourdement focus en plus. Oh, je vous la conseille.
Oula, 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 celle-là, elle m'aime pas. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Aïe! Allez-y, c'est à vous de jouer. Oh mon dieu. On est mieux de ce côté-ci du labyrinthe, non? Absolument, absolument, c'est formidable. Attendez, mais quelle expérience! Les chèvres cryptiques, vous saviez que leur silhouette démoniaque et leur fourrure d'un noir profond se distinguent des chèvres ordinaires? Ah, aucune idée. Moi, je sais juste qu'elles graillent des humains et c'est tout ce qui m'importe. Dotées de yeux rougeoyants, elles évêquent une aura infernale. Vous n'aviez pas menti, en tout cas. Vous aviez indiqué la bonne direction au départ. Ah, qui? Bah, oui. Pourquoi j'aurais menti? Ah, bon. Je vous ai dit que l'épreuve était simple. C'est vrai. Attendez, vous permettez que je... Ah non, mais... Ah oui, effectivement. Non mais attendez, par contre... Oui, il indique la direction de la sortie. C'est ça non, que vous cherchiez? Oui, mais c'est terrifiant. Vu du dessus, comme ça, c'est terrifiant, le labyrinthe. Oui, j'imagine. Et est-ce que c'est possible de revoir le labyrinthe? Oui, bien sûr. J'aimerais revoir l'entrée du labyrinthe. Parce que quand j'ai tour, vu... S'il vous plaît, oui, un petit tour de manège. Je suis trop heureux, Narine. Je crois qu'il a pas envie. Non, je vais pleurer. Non, mais attendez, on monsieur le geek. Monsieur le geek. Mais non, monsieur le geek, regardez. J'ai trouvé une machette, j'ai sauvé ma propre vie avec la machette. Vous étiez incroyable, Narine. Monsieur le geek, on a trouvé ensemble. Merci, monsieur. C'est Romain Lewis, c'est ça? Clark Lewis. Clark Lewis, d'accord. Vous avez un homonyme... Dans votre domaine. Ah, bon, ah les gars, j'en reviens pas que je sens en premier, les gars. Oh, putain, j'en reviens pas. De l'émission. Pas aussi bien que vous, forcément. Ah bah oui. Je suis Steve Douglas, s'il vous plaît. Ouais. Qui a parlé, là? Qui a parlé? J'ai entendu des voix. J'ai entendu une voix, oui. Il parlait d'un fils vous a Douglas. Peut-être rendu fou. Je suis vraiment chaud, non, attention. Les gars, c'est de la chatte, ok? Sachez-le que là, un tel truc de fou comme on ça, les gars, c'est de la chatte. De ce labyrinthe, hein. Oh non, j'ai des séquelles. Ah, bien sûr, mais voir des chèvres cryptiques des enfers, je peux vous dire que c'est plus excitant que des séquelles, croyez-moi. Je vais raconter ça à tout le monde. Bon, à la limite, ce que je peux faire, c'est que moi, je dispose pas des compétences de notre cher ami, mais je peux aller déployer un hélicoptère, éventuellement. Oh, ça, ce serait incroyable. Incroyable. Tournez-vous. Okay. On va faire un petit tour en hélicoptère. Wow. On l'a bien mérité. Oui. Viens, on leur tire dessus à la fusée. Oh, les gars. Hé, tu m'entends? Oui, je vous entends. Tu veux prendre le risque d'aider les autres? On peut tirer avec la fusée, là. C'est une très bonne remarque, mais vous pensez pas qu'on pourrait en avoir besoin pour la finale? Quelle finale? La finale, nous sommes trois. Il y aura qu'un seul gagnant. On va devoir s'affronter. Je m'en fous de ça, moi. Non. Attendez. Vous n'avez pas les idées claires. On vient de se faire poursuivre. Allez, gardons-la. Mais pistolet pour abattre le troisième. Peut-être. Mais imagine, on se met là, il arrive, et au dernier moment, on tire tous les deux notre truc dans sa gueule. Comme ça, il n'arrive jamais. Le troisième qui arrive. Peu importe qui c'est, on le tue. Alors ça, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas pour tuer des êtres humains. Je suis pour tuer des êtres démoniaques. D'accord. Bah écoutez, moi, si c'est pas Richard, je le tue. Voilà. Ah bon? Oui. Ah oui, c'est pas sympa, ça. Attendez, je crois que notre hélicoptère est arrivé. Vous n'avez pas l'habitude des jets privés normalement? Ah non, absolument pas. Privé? Non. Oh, ah bah non, mais vous êtes riche, vous êtes un geek riche. Ah. Merci Tangas pour les 5 sommes, merci. J'ai fait mes business. Ah, vous avez un business en crypto-monnaie? Notamment, oui, je suis ingénieur informaticien, mais il est vrai que j'ai des racks qui minent des bitcoins depuis fort longtemps. Ah bah oui. Absolument, quel plaisir, merci monsieur Lewis. Quel privilège. Eh, hey, montez de l'autre côté. Quel privilège! Oh putain! Où se trouve mon fils Douglas? Qui m'aime, monsieur? J'aurai bientôt solvé. Non, mais attendez. Eh, monsieur le geek, c'est pas possible, on n'a pas fait ça!
C'est remarquable la performance que vous venez de... Non, attends, on n'a pas fait ça, c'est pas possible, j'y crois pas. On a gagné, Narine. Non mais c'est formidable. On a été incroyable, Narine. On n'a pas fait ça. On a été exceptionnel, Narine. Absolument, absolument. Je n'y crois pas, j'ai... Je vais pleurer, Narine. Et donc là, derrière l'hélicoptère, c'est l'entrée. Non mais c'est de la folie. J'ai peur de tomber, Narine. Si je tombe, c'est con. Allez, ah non, bah, je vous recommande pas de choses tout de même. Ah, on peut voir Monsieur Mathieu en bas. On peut voir Monsieur Mathieu en bas. T'es en train de discuter avec je ne sais qui. Ah, je crois que c'est le père à Douglas, non? Quelque chose comme ça. Ah mais oui, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que Douglas est... Ah oui, bah oui. Pas quoi. Vous savez, dans ce labyrinthe, il y a des tas de gens qui se perdent. Ah bah oui, bah, à qui le dites-vous hein? Pardon, attends, c'est... Qui me parle dans ma tête. C'est incroyable, les gars. Attends, en fait, physique, mathématiquement, j'arrive pas à croire qu'on a fait GLA. Ils sont pas prêts de sortir, en tout cas, ça c'est une certitude. Donc regardez, vous voyez, donc, regardez, si on reprend le parcours du début, là, monsieur le geek, là, monsieur Pierre. Oui. Donc on est repassé à droite, là-bas, et ensuite on a fait tout droit direct vers la sortie. Vous vous rendez compte quand même? Oui, mais on a été malin parce que on a compris sur un point. Je pense qu'on a été malin parce qu'on a compris que comme Richard, on l'avait pas retrouvé. Il y avait une énorme zone de l'autre côté, donc on a été de l'autre côté et on est tombé sur quelqu'un qui nous a donné la direction. Ça a changé la donne. Mais les gars, je ne cache pas que je suis à poil déçu. Je m'attendais à ce que ça dure quelques jours quand même. Ah oui, quand même. Bah, pour être transparent avec vous, j'ai trouvé une carte. Voilà pourquoi vous avez réussi. Vous avez trouvé une carte. Oui, je vous la donne après. Elle indiquait tout ce qu'on a besoin de savoir. Ah oui, cette fameuse carte. Qui explique cela? Ah oui, non, mais cette carte, elle nous a été sacrément utile. Relativement clair. C'est la carte avec écrit sus et vous, je crois. Sus doucement, je crois. Ah, tu vois, j'aurais pas réussi ça sans lui, les gars. Là, à deux, c'est... On a... C'est, je vous comprends parfaitement, hein, par contre. Effectivement, là, voyant le labyrinthe, effectivement, quelques jours, c'est gentil. C'est gentillet, hein, parce que... Ah oui, effectivement... Attendez, parce qu'il reste encore un survivant passé. Peut-être que le prochain, il passera la ligne d'arrivée dans 3 jours, 4 jours, peut-être. Ah bah oui, ah bah oui. Oui, mais du coup, ça va durer. Ah, ils s'attendaient à ce que ça dure, genre demain soir, après-demain soir. Les gars, en fait, ils s'attendaient à ça. Mais ça sera coupé au montage, bien évidemment. Les gars, ils s'attendaient à ça, en fait. Genre demain soir, les gens, ils vont continuer tant qu'ils sont pas morts, en fait. Mais du coup, ils vont crever de faim dans le labyrinthe. Non, il y a des colis qui arrivent de temps en temps. Ah, mais en fait, on a littéralement tout loupé, en fait. On a loupé toute l'action. Ah bah oui. Il y a quoi, excusez-moi? Vous avez rencontré le barde à la sortie du labyrinthe? Oui, absolument. Oui, belle chance, oui. Belle chance. Et ça, voyez, j'ai beau jouer à WoW, j'ai également connu... Non, des jours in-game, les gars, ce soir, je vous dis, il y a des gens, ils sont... Les gars, vous voyez le putain de labyrinthe, c'est pas possible. On est arrivé de là-bas, ok? On est arrivé de là-bas. On a fait... Je sais même pas, dans ma tête là on serait arrivé là. Je sais même pas comment, on a vraiment fait un tout droit de malade pour faire ça. Le gars, c'est... Mais vous rendez pas compte, c'est les gars. On a fait ça en une heure. Est-ce que on peut avoir le record du labyrinthe? Quelqu'un a déjà fait le labyrinthe en combien de temps? Vous êtes les premiers qu'on lâche dedans. Ah oui. Ah d'accord. Ah. On est les bêta testeurs. Sur mesure, est... juste pour non, vous. Non, ça veut dire qu'on est champion du monde. On est champion du monde. On est champion du monde. Narine devant en tête avec quelques secondes de geek de 502 qui. On est champion du monde. OK, on peut retourner à la sortie, on va se poser. Je pensais que Narine avait voulu finir juste avant moi, mais voilà. Non, je voulais juste m'assurer que c'était la sortie, monsieur... Oui, c'est ça, oui, c'est ce qu'on dit tous. Non, mais attendez, vous croyez que j'ai un complexe de supériorité et d'infériorité comme vous? Non, c'est si grand, par contre. Dans WoW, vous vouliez que le rank 1, hein, c'est ça? Oui, j'étais rang 3 sur le serveur Archimonde. Voilà, hein, typiquement toxique. Serveur toxique. L'avantage, c'est que vous avez des choses à vous dire. Ça, c'est... Absolument, bien sûr, absolument. Bien sûr.
Monsieur le geek. C'est vous le geek. Bravo, bravo. Merci pour le tour en hélicoptère. En premier, c'est un véritable avantage. Merci pour le tour, monsieur Lewis. Merci. Merci, merci beaucoup, monsieur Lewis. Monsieur Lewis, regardez, je vous donne la carte. Putain, j'ai imaginé des trucs de fou, les gars. Et là, j'ai torché leur labyrinthe en une heure. Ah oui, ça a tout changé, ça. Ah oui. Les lignes sont très, très nettes. Alors, c'est moi qui l'ai foutu dans ce putain de labyrinthe, la carte. Donc, je vais pas la lire. Hein. Et je peux avoir un costume. On peut avoir des costumes de monstres et courir après les gens. Vous pouvez pas sucer doucement. Costume de monstre et courir après les gens. Non. C'est normal, c'est Mardi Gras. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, mais on aurait pu juste pour leur faire peur. Juste pour leur faire peur. Oui. Ou alors pour les guider vers la sortie, ce qui vous arrange. Ah ben, en quoi ça nous arrange? Ah non, nous on fera personne. Moi, je ne ferai personne. Juste, je cours autour et j'en vais. Interdit de parler. Juste des bouts. Vous avez des trucs à faire, vous en faites pas. Merci, merci. Pas de parole et pas de guidage. Je le jure. Ah non, pas de guidage. Pas de guidage. Par contre, je vais les faire hurler. Ah oui. Ça va être très drôle. Mais par contre, c'est difficile parce que là, ils peuvent réellement mourir, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a un monde dans lequel on n'est que deux. Vous n'avez aucune égratignure, vous. Narine, aucune égratignure. Narine, s'ils arrivent et qu'on leur met une petite balle... Non. On peut être les deux seuls survivants, Narine. Non. On ne tue pas des êtres humains, monsieur. Moi, vous ne voulez pas faire un homicide. Mais c'est pas Vous ne voulez pas faire un homicide volontaire. Non, c'est de la légitime défense. Et en quoi c'est de la légitime défense? Parce que j'ai peur. Attends, venez, on pose les armes là, parce que sinon on va se faire disqualifier. Ok, je pose l'arme, alors vous avez une bonne idée. Et vous, vous étiez nul en rock, je suis sûr, sur World of Warcraft. Non, j'étais vraiment très bon. Écoutez Narine, je vous donne mon secret, j'ai deux secrets très chers. Alors? J'ai un secret que je n'ai dit qu'à une seule personne. Et je vous le dis. Je vous le dis parce que je vous fais confiance maintenant. On a vécu ensemble. Très bien, vous me dites un secret, je vous dis un secret. En fait, quand je suis exactement dans cette position... Tête de con, putain. Je deviens invisible. Personne ne peut me voir. En fait, j'ai tellement joué Elfe de la Nuit que j'ai gagné le pouvoir des Elfes de la Nuit. En fait, je deviens invisible quand je ne bouge pas. Et là, personne ne peut voir. Je sais, vous, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, Narine. Je suis toujours avec. Non, je suis là. D'accord. Et Steph, mon frère, avait le même pouvoir. Ah, intéressant. Oui, donc c'est vous comme avez ça. Vous avez un vrai problème, en fait. C'est comme ça que des fois, j'espionnais des gens, mais ils tombaient sur... Ils me faisaient mal, par hasard. Donc votre secret, c'est d'avoir évadé un hôpital psychiatrique. Non, du tout. Ah, d'accord. Non. Ça, okay. C'est pas mon secret, ça, c'est mon pouvoir. Ah! Vous voulez que c'est mon vrai secret? Alors? Mon vrai secret? Oui, mon vrai secret. J'ai un traumatisme. Oh! Je vous aussi? Je jouais plus jeune à Left 4 Dead 2. Oui, je connais bien. J'étais joueur professionnel dessus. J'ai fait des montages dessus. Vraiment? Oui, j'ai fait des montages. On est en symbiose. Alors, pour être transparent, quand les gens... Quand un zombie tend les mains vers moi et me touche, et je panique. Ouais. Et je fais une amnésie. Bah, là... Ah, vous avez pas beaucoup paniqué, là, en tout cas. Là, c'est pas des zombies, mais vous avez pas beaucoup c'est pas paniqué. C'est pas des zombies. Bah non. Moi, je vous ai dit, je suis paralysé par les zombies. D'accord. Ok, mais les zombies, mais ça n'existe pas. Dites-moi, est-ce que... Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Oula! Encore de la violence Voilà, ça existe, les zombies. Calmez-vous. Est-ce que ça vous fait plaisir de parler dans le mégaphone et dire un petit mot à toutes les personnes qui sont dans le labyrinthe encore? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir, alors, attendez, avec grand plaisir. Laissez-moi préparer ça, alors, dans ce cas. Ah, ce serait formidable. Ce serait formidable. Ah, je vais les atomiser. Ah, je vais les atomiser. Ah, 1, 2, test, c'est bon. Vous pouvez parler. Je vous laisse la parole. Allez-y. Allez-y. Les gars, on arrête le combat. La sortie, les gars. C'est juste doucement.
Mes chers amis. Bonjour à tous. Ici Narine Mucus. Et j'aimerais dédier ce message à Delphine. Delphine, qui est ma maman, qui regarde cette émission depuis chez soi, chez nous. Et merci, maman, de m'avoir fait confiance. Et j'espère que M. Mathieu arrivera à sortir parce que j'aimerais bien que Delphine rencontre M. Mathieu. Voilà. Et merci, M. Lewis. Et attention à tous. Ce labyrinthe est très dur. La preuve, on l'a torché en une heure. Voilà. Félicitations à eux. Et je rappelle, j'en profite pour rappeler qu'il ne reste plus qu'une petite place pour la finale. Attention à vous. Non, non, à mon avis, il a enregistré. Il a enregistré, les gars. À mon avis, il a enregistré et il va relayer. Désactiver, c'est bon. Merci pour ça. Apparemment, personne n'entendait quelque chose, peut-être, mais je sais pas. Non, mais c'est un mégaphone à retardement, je pense. Ah oui, vous êtes trop malin. Ouais, ça doit être ça, un truc comme ça. Vous êtes trop impétueux. Pardon, excusez-moi. On est loin de tout ici, vous savez. Vous êtes trop fort. Mais c'est vous le geek, je croyais que vous alliez connaître ce genre de d'outils informatiques. Mais apparemment, monsieur a passé trop de temps sur une île déserte à se faire griller la calvitie. Allô ? Il y a quelqu'un ? Oui. Je tiens à vous dire que vous êtes une des plus belles rencontres que j'ai fait. Mon meilleur ami, Jacques, a été éliminé. Mais j'aurais aimé faire un bout d'aventure avec vous, Narine. Absolument, moins, j'étais... Nous avons eu un petit chemin ensemble. Oui, absolument. Faisez une connexion de doigté. Connectez votre doigt. Bien sûr. Je crois qu'on est sur une île. Nous avions peut-être un bœuf. Connectez-le. Ah, ici, il faut que je coupe ce micro. Je sens la connexion là. Ah, on est connecté à maximum. On est connecté. Je sens votre connexion. Vous sentez ma connexion? Oui, on est super connecté. Je crois que c'est de la 5G là. C'est de la 5G et je crois même de la 6G. 6G peut-être, oui. Oui, effectivement, j'aurais apprécié avoir d'autres personnes qualifiées, munies d'un cerveau dans mon équipe. Ça aurait été effectivement très appréciable. Ah, vous auriez été un atout très fort à l'équipe des Rouges, Narine, sachez-le. Merci. Et vous auriez été beaucoup mieux chez les Jaunes, je pense, vu le bas QI qu'il y avait chez les Rouges. Ah, comment ça s'éteint ce micro à la con, Narine, que ça me ressemble. Faut que j'aille pisser et je veux pas que tout le monde m'entende. Hey Chad, vous me dites quand ils ont entendu. Envoyez un clip, les gars. Envoyez un clip quand ils ont reçu. Vous m'avez dit quelque chose, pardon. J'aimerais juste regarder les réactions au message qu'on vient de laisser. Hey, Narine, oui, je tiens à vous dire que aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Ah oui? Puisque. Aujourd'hui, j'ai pu réaliser mes rêves. Ah oui ? Ici, sur ce jeu de survie, mais également dans un Squid Game. Oh ! Mais attendez, oui. Comment osez-vous citer Squid Game ? Squid Game, vous connaissez ? Vous avez regardé ? Bien sûr que j'ai regardé Squid Game. Qui n'a pas regardé Squid Game ? Eh bien écoutez, j'ai participé à quelque chose du genre et je peux enfin en parler et je suis fort heureux. Bien sûr. Mais vous savez, je vais vous dire l'important. Je suis ici également. Allez-y. Je vais vous dire le plus important ici. Oui. C'est que certes, c'est un jeu, mais des gens vont mourir. Est-ce que vous êtes sensible à ça ou pas? En vrai, pas trop. Si c'est... Non mais si vous savez qu'on respawn pas dans la vraie vie. Je sais. C'est vrai qu'on n'est pas sur vous. Ah bah oui, là on respawn pas. Moi je croyais que c'était ma quête principale. Mais non, moi, mais là je suis investi d'une mission. On devrait les sauver, Narine, viens, venez, on y retourne. Alors ça je suis pas sûr ça. Vous pensez? Ah non, ça je suis pas sûr non. Parce que moi j'avoue que j'étais un peu déconnecté. Moi dans ma tête j'étais investi d'une mission et j'étais là pour venger Jacques et rendre fier mon frère. Oui mais Jacques est pas mort. Si, Jacques il s'est fait éliminer, pour moi c'est comme la mort. Ah bah non,
C'est pas la mort, il est rentré chez lui en bateau. On n'est pas sûr, puisque quand Monsieur Mathieu est revenu, il a dit qu'il avait assassiné Vince. Oh, c'est un assassin? Gens... Oui. Oui, c'est ce qu'il a dit. Comment est-ce que du mal. Avec Monsieur Abibochet, qui m'a menti. Ils arrivent, pam pam. Lui, c'est un sacré menteur, laissez-moi vous le dire. Quoi, vous faites des crises? Oh mais j'ai eu peur là. Ah, les minotaures, c'est comme pour moi les zombies. Alors, ce ne sont pas des minotaures, ce sont des chèvres cryptiques des enfers. Donc si vous avez suivi un petit peu ce qui se passe sur cette île... Mais attendez, j'ai entendu un coup de feu. Oui. Si vous avez suivi ce qui se passe sur cette île... Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Un troisième gagnant? Ah non, c'est Monsieur Lewis. Bravo, Monsieur Lewis. Bravo. Bravo. Mais moi, je connais le labyrinthe par cœur, ça. Pour autre chose. Question, nous, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer pour participer, pour aider nos camarades. Regardez, les gars, je vais attendre comme ça. Bien évidemment, Monsieur Lewis, bien évidemment. Je vais attendre comme ça, les gars. Vous voulez rentrer pour aller... Waf. Parlez aux gens, pas à vos camarades, à la limite. Attention, parce que non. Si je vous vois parler à quelqu'un qui est autre que... Okay, nous restons ici, nous restons ici, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Vous avez tout ce qu'il faut à manger, là, ou peut-être que je fais un... Ça va super, ça va super. Oh, non. Je vais livrer un truc, j'ai un petit creux. Les chèvres cryptiques. Les chèvres des enfers. Alors, c'est ce que je vous disais. Arrière, chèvre des enfers. Arrière. Oust. Pousse. Wouf. Arrière. Je suis un chien extrêmement dangereux. Arrière. Oh non, on est encerclé. Là, furieux lui. Il est furieux. Ouais, il a pas eu sa bectance. C'est bon. Il est furieux. Est-ce qu'on va le savoir quand quelqu'un va se faire manger par une chèvre? Oh bah, je pourrais l'annoncer, oui. Ah. Un plaisir à toi. Ah, elles ont l'air affamées, vos chèvres. Nuit, la nuit dernière, en tout cas, il y a quelqu'un qui est passé pas très loin de là-bas. Ah oui? Oh mon Dieu, c'est ce qui arrive. Ça fait peur, ça. Qui ça? Oh, il bouge comme un zombie. Il bouge comme un zombie. Alors, ce ne sont pas des zombies, encore une fois, je vous le dis, pour une dernière fois, ce sont des chèvres, la Aedron. Aedron, les chèvres Aedron qui sont associées au monde souterrain. Donc, il va falloir les respecter, en fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est important de savoir que ce sont des êtres vivants, même si ce sont des êtres du monde souterrain. Et voilà, hein, même si elles ont essayé de me manger plusieurs fois, qu'elles m'ont écorché les bras et les jambes, et que j'ai dû en couper une en rondelles à la machette. Le cycle continue, vous voyez, c'est le cycle de la vie. Alors je crois qu'elles n'ont pas du tout apprécié mes aboiements également. Je crois que je les ai un peu intimidées. Vous voulez essayer on leur aboie dessus? Dis-moi. Vous voulez essayer de les aboyer dessus? Je vais vous montrer un petit peu comment on communique avec les chèvres démoniaques. Vas-y. Alors attendez. Allez-y, essayez. Mettez-vous en position. Voilà, mettez-vous en position. Ah mais ça c'est le doggy style. Non, ça c'est position de communication avec les chèvres démoniaques. Ah oui, d'accord. Comment faire? Bah alt, clic droit sur moi et imitez. Ah, oui. Et voilà. Oui, d'accord. Voilà, oui, voilà. Donc voilà, on va essayer de communiquer, oui. Voilà. Allez-y. Ah, me touchez pas ici! Me touchez pas ici, la chèvre! Il m'a bloqué! Voilà, vous voyez, là, celle-là a été calmée. Voilà. Elle est peut-être divertie. Elle a l'air apaisée. Oui, apaisée, bien sûr, on les apaise. Hein. C'est comme ça qu'on les parle. Les plantes dans le cul, ça vous plaît quand même pas mal, apparemment. Ah, voilà, regardez, là, ils sont apaisés, là, très apaisés. Vous, voilà. Vous avez des goûts prononcés pour les... Oula, qu'est-ce qui... La chèvre est en train de le sucer, je crois.
Je crois qu'elle est en train de sucer doucement là. Alors là, très apaisé, peut-être trop confortable. Oula, oulala. Alors là, on assiste à. Ah oui, c'est... ah oui, ah oui. Là, ça c'est... Ah oui, c'est des chèvres démoniaques en train de voilà de oui, de se faire plaisir. Ah oui. Qui aime les chèvres? Ah oui, là, ça c'est compliqué là. C'est compliqué là ce qu'on est en train de témoigner là. C'est très important. Ah oui, là, oui, il y a un gros paquet à manger en même temps là. Oui, sacré tantôt. Oui, ah oui, là c'est. Il y a des. De la bonne viande, hein, comme on dit, de la bonne viande. Donc voilà, il faut les respecter, ces chèvres, mais tout en étant aguerris à faire attention à sa vie, parce que je crois qu'elles ont envie de nous manger quand même. Elles ont envie de se venger, elles viennent des enfers. Cette porte des enfers, d'ailleurs, qui a été ouverte, vous le saviez, ça? La porte des enfers? Non, je ne savais pas. Alors en fait, vous savez, sur cette île, tous les 100 ans, il y a un tremblement de terre. Voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe sur cette île. Et chaque tremblement de terre, en fait, c'est le roi des orages, Monsieur Rajung, le dieu de l'orage. Vous m'avez dit, expert en mythologie. Alors, c'est pas de la mythologie, c'est de la, si je ne m'abuse, c'est de la cryptozoologie. Voilà, hein, voilà, je suis chasseur de cryptozoologie, voilà. D'accord, je vois. Oh, félicitations, ça a l'air d'être très élégant. Ah oui, absolument, mais bon, ça paye pas, mais on, voilà, hein, je suis gemmologiste sur le côté, pour que ça paye plus, mais voilà. Et donc, en fait, sur cette île, j'ai ramassé des journaux et on a commencé à comprendre ce qui se passait. Et nous sommes des sujets test. Nous ne sommes pas ici pour faire ce jeu, nous sommes ici pour crever, monsieur le geek. Oui, on est des expériences, nous on a compris ça. Voilà, on est des cobayes. Va falloir qu'on meuble pendant littéralement jusqu'à 3 ans du matin. Alors, je pense pas qu'on y arrivera en se barrant à la nage. Je pense qu'on devrait abuser de notre position actuelle, vu qu'on a gagné. On devrait abuser de cette position pour essayer justement de fermer ces portes des enfers qui ont été malencontreusement ouvertes. C'est bien. Tu pensais que Lewis, il veut les maintenir ouvertes? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous savez, le portail qu'on a traversé ensemble, ce portail permet de se télétransporter là-bas. Non. Vers peut-être des mondes parallèles? Non, dans le passé ou dans le futur. J'ai l'impression que là, le portail nous a permis de se téléporter dans un futur proche ou dans un monde parallèle. Je n'arrive toujours pas à en tirer une conclusion. Ça pourrait être une vie alternée. Ça veut dire qu'il y aurait deux personnes comme vous. Déjà, un, c'est chiant. Mais non, parce qu'on a passé le portail. Donc, j'ai passé le portail. Donc, il n'y a pas deux personnes comme moi. Vous comprenez? Si vous passez le portail... Vous passez le portail. Donc le vous du passé arrive dans le futur. Dans un futur où vous n'existez pas. Parce que le vous du passé est rentré dans un portail. Donovan. Oui, après moi, si je n'existe pas, je ne suis pas sûr que le monde existe. Mais vous, c'est moins sûr. Oh, alors là, vous êtes où là? Vous êtes dans le vrai monde là? Je ne sais pas. Ils ont réveillé en moi le Pussy Slayer. Ils ont éliminé Jack, ils ont réveillé en moi le Pussy Slayer. Je suis là pour les slay. Et là, on a slay, Narine. Là, on a slay. Fallait pas réveiller le Pussy Slayer. Ah non. Ah non, sûrement pas. Attendez. Vous êtes le Pussy Slayer. Je suis le Pussy Slayer. D'accord. C'est votre pseudonyme aussi dans les jeux vidéo? Pussy Slayer. Ben, bien sûr. Et ça veut dire quoi, Pussy Slayer? Ça veut dire que je... En fait, j'avais une copine dans... Ouh là là. Une copine dans World of Warcraft. Et on était restés ensemble pendant 3 ans. Elle jouait Eve de la nuit, comme moi, mais elle jouait mal. Ah! Non mais attendez, vous faites quoi là? Vous m'attaquez là? Oui,
Bah regardez en bas à droite de ton écran, bouffon! Vous auriez pu mourir d'ailleurs, je l'espère. Ah bon? Vous espériez ma mort? Vous êtes ok pour une partie d'échecs? Mais attendez, vous venez de me mettre un coup de poing, monsieur. Et celui-là, croyez-moi, je l'ai senti. Non, non, je vous ai éraflé, monsieur. Ah non, 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 je l'ai senti. Attendez, 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 attendez. Laissez-moi faire mon plaidoyer. Écoutez, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et franchement, t'as pas de couilles. Ah bon? J'ai pas de couilles. Je rigole. J'ai pas de couilles. Regardez ma démarche. Est-ce que vous croyez que j'ai des couilles? Non, là, je suis pas sûr, là. Ah, pardon? Si, vous avez des couilles, des fous. Ah bah oui, j'en ai des grosses, hein. Là, ah oui. C'est énorme, hein. Croyez-moi, j'en ai des grosses. Là, j'en ai des grosses. Hein. Ouais. Elle enclenche qui, comme ça? Ouais, regardez, elles font ding 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 là. Vous entendez? Ding 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 ding. Vous ne voudriez pas me tuer? Moi? Oui, vous. Mais jamais je voudrais vous tuer en vrai. Écoutez, Narine, je vous propose qu'on fasse une alliance. Mais quelle alliance là? On est plus que trois là, il n'y a plus d'alliance. Mais justement, je vous propose une alliance contre le dernier. Mais arrive, okay. Sauf si c'est Richard, nous essayons de nous avantager l'un et l'autre au détriment du dernier joueur. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire vous voulez tuer le gars qui arrive là? Non, on le tue pas. Si vous voulez pas le tuer, on le tue pas. Moi. Non, attendez. Voilà, si en fait... je dois survivre, je suis prêt à le tuer. Non mais attendez. Tu pousses Slayer, tu comprends? Oui, mais tu m'as toujours pas dit ça veut dire quoi, pousses Slayer? Ça veut dire que je slay un maximum de chattes. Mais en vrai, j'avais une copine des chatons. Et au bout de... Non, des... Oui, peut-être des chatons aussi. Mais grosso modo, j'avais une copine et en fait, quand je l'ai rencontrée dans la vraie vie, elle s'appelait Robert. Oh oui, il m'avait menti. Je lui avais filé plein d'allopas. Ah... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez ça là? Qu'est-ce que c'est que ça? Un drone carbonique? Non, lâchez ça! D'accord. C'est ce drone tranquille. Mais c'est quoi ce drone? C'est une caméra. Ah! Vous allez nous mettre une télévision? Non, je vous ai trouvé une Game Boy chacun. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé. Désolé. Oh, incroyable! Wow. On fait un rituel de score? Non, attendez. Je pensais pas qu'il serait aussi mauvais. Hein. Aucun problème. Fort, c'est gentil. Oh. Alors. On propose une partie de Flappy Birds. Non, mais attendez. On est en pleine discussion là. C'est bien la Game Boy pour tout à l'heure, non? Ouais, bien joué. Donc vous me disiez le Pussy Slayer. Je sais, il y a un maximum de Pussy. Mais dans la c'est vraie quoi, vie, j'ai c'est quoi une Pussy? Le sexe des femmes. Oh! Ah bon? Vous avez déjà fait, vous? Ah, bien sûr que non. Pas non plus. Vous savez que j'ai 38 vous ans. Vous savez que c'est pour ça qu'on a gagné. Parce qu'on a plus de testostérone. Bien sûr. On a tout gardé. Ha, j'ai tout gardé en stock, moi. je suis un économe. Bien sûr, on économise. Et je vais même vous dire, moi, ça fait de moi un mage noir. Vous avez quel âge? Je vais vous donner votre échelle de la pucellerie. J'ai 29 ans. Vous avez 29 ans? Ha! Vous êtes encore... vous êtes presque mage... En vrai, j'ai 31, bordel. Et ah bah, vous êtes mage noir. Vous êtes un mage noir. On est connecté. Ah, c'est un mage noir? Bien sûr, on est des mages noirs. On est des mages noirs? Bien sûr. Tiens, 38, c'est mage noir ou pas? C'est pas genre Archimage ou je sais pas quoi. Avec plaisir. Bien sûr. Vous avez des tatouages? Vous avez des tatouages? Non, j'ai pas le tatouage. Non, j'ai pas le tatouage. De quelle école êtes-vous dans Harry Potter? Serpentin, voyons, quelle question. Oh, grenade! C'est tellement nul que sinon ils arriveront jamais à finir. Ah, vous voulez un burger? Je vous laisse le burger, hein. Bon appétit. Non, c'est bon.
Mais c'est qu'ils sont tellement claqués qu'ils sont obligés de les aider. Que fais-tu ici? Moi? Non, les autres. Je sais pas, c'est quoi moi? Monsieur le Chauve. Monsieur le Chauve. Plaisir, hein. Monsieur le Chauve. C'est vous qui avez essayé de me focus? Comment ça? Vous savez très bien ce que je veux dire par là. Non, hein, c'est pas moi. Ah, c'est pas vous? Ok. Parce que moi, si je veux un coup, je te fais voir. Ah oui? Ah bah ouais, bah bien vu, hein. Ah ouais, bien vu. Ça, sacrément. Oh! Ah! Et moi si je veux. Et moi si je veux, je touche votre chemise et vous volez, regardez. Vous êtes prêts? Allez. Pouk! Pouk! Attendez, je manque de concentration. Je peux vous frapper? Wow! C'est vous le sorcier? Sorcier, vous l'avez brûlé! Mais non, je suis un mage noir, tu me l'as dit! Bah oui, on est des mages noirs! Mais on est des mages. Mais vous l'avez brûlé! Parce que je suis trop hot! Ah oui, et ça vous êtes hot! Monsieur propre! Monsieur le chauve, ça va? Oh merde! Ah, c'est. Oh! Ça va? Concentré trop de chakra! J'ai trop concentré mon chakra! Namasté! Namasté, kuzaimasu! Namasté! Namasté! J'ai pas. Je la trouve plus! Namasté! Kuzaimasu! Naruto kuzaimasu! Naruto Dragon Ball Z! Kuzaimasu. J'ai dit yamete kudasai. Il est encore en feu, je crois, là. Des résidus. En fait, je manipule beaucoup de de choses. Vous manipulez le feu? Oui. Mes pouvoirs principaux. Ah, intéressant. Vous êtes exactement comme le mec dans Dragon Ball Z là, Naruto, c'est ça? Je sais pas, je dirais pas ça. D'accord. Bah écoutez, d'abord, en tout cas j'ai développé un pouvoir ultime. Ah oui? Faites voir ce pouvoir ultime. Il m'a jeté une table sur la gueule. Oh là 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 là, il m'a jeté une table sur la gueule. Chad va falloir se divertir, hein, parce que putain. Eh hey, Chad, moi je suis à deux doigts de me mettre à FK et regarder le stream des autres. Hein. Putain, je me demande à quoi elle aurait servi l'appel, les gars. Je me demande à quoi elle aurait servi. Peut-être me défendre ou quoi. Hé hey, Pierre, ça va? Pierre! Oui. Il nous a un peu maltraité, lui, hein? Continue sans moi. Non, Pierre, ça va aller. J'ai mal partout. Mais ça va aller, ça va aller. Ça va? Regardez, il a la main en feu. Ce bâtard, venez, on lui apprend un peu. J'ai fait de la boxe. Désolé, je suis allé trop fort. Venez, bah ouais, moi. Ouais, un peu. Bah moi, j'ai fait de la boxe en pension, attention. Vous voulez vous mettre un jeu d'échecs, mais on a eu un souci, malheureusement, je peux pas. Non, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va juste regarder les streams des autres. Ok, vas-y, courage. Merci. Oh, regardez, ils ont mis un paquet juste ici. Imaginez, oui. Il a détruit le podium, le con. Ils ont mis des trucs partout pour les aider. Oui, non, alors ça c'est de la bouffe, parce que du coup ils sont à court d'énergie. Imaginez, oui. On se colle contre la paroi et on les entend courir. Oui, c'est vrai.
Mais bon, on n'a pas le droit. Si on se fait prendre, on sera foutus.